et merci pour tout votre intérêt pour cet événement. Je suis Mathilde Sévin, je suis vice-trésorière à la Fresco et dans le salon des métiers, je m'occupe de trouver des intervenants qui seraient susceptibles de vous intéresser. Donc, je pense que ce soir, vous êtes beaucoup à être vraiment intéressés par Johan Attal, qui est CEO de My Brain Technologies. Et voilà, et je suis psychologue cognitiviste, jeune diplômée de l'année 2020. Voilà. Oui, et donc moi c'est Soraya, donc pareil, je suis à la Fresco pour l'organisation du Salon des métiers. Donc j'aide à trouver des intervenants aussi pour les conférences. Et du coup, moi je suis ingénieure et là je viens de me spécialiser dans les neurosciences. Voilà, je pense qu'on peut démarrer. Alors bonjour à tous déjà, merci d'être venus à ce premier épisode. Du Salon des métiers. Donc, c'est la première édition cette année. Et là, du coup, un événement sur comment créer sa start-up en sciences cognitives. Donc, on va avoir la chance d'avoir de pouvoir interviewer Johan Attal, qui a créé donc My Brain Technologies, donc une start-up parisienne, qu'il a fondée avec l'Institut du cerveau, donc l'ICM. Et le produit phare qu'ils ont développé, c'est donc Mellowmind. Donc, c'est un casque audio anti-stress pour entraîner votre cerveau en fait, à se relaxer en utilisant du neurofeedback qui va vous permettre d'avoir un changement dans la musique générée par le casque si jamais vous n'êtes pas assez détendu. Donc, pour vous aider à vous détendre et à vous relaxer et à méditer. Je vais le laisser ensuite avec les questions plus développées. Sur sa start-up, ses produits et ce qu'il a fait. Donc, je vous laisse peut-être, Johan, vous présenter rapidement avec vos parcours, peut-être d'études à votre lancement de start-up. Et ensuite, on va se lancer dans les questions. Bien. Bonjour à tous et à toutes. Vous m'entendez bien là? Ok. Oui, on vous entend bien. Oui, c'est bon, ouais. Okay. Bah, d'abord, merci de votre invitation. C'est un plaisir de vous présenter ce qu'on a fait chez MyBrain, ce qu'on fait aujourd'hui, ce qu'on va faire demain, et puis un peu les différents parcours connectés aux sciences cognitives qu'on a chez MyBrain. Mon background, c'est un background plutôt de. On pourra y revenir après si vous voulez plus de détails, mais j'ai un historique d'études dans la physique et l'électronique à la base. J'ai fait mes études à Nice et puis je suis venu finir mes études à la fac d'Orsay, où j'ai fait un master en traitement du signal et en automatique. Parce que à l'origine, ma volonté était d'aller plutôt vers la robotique. Dans ce chemin, au milieu des différentes propositions qu'on avait dans ce master-là, qui était basé à Supélec, on avait tout un champ à 360 degrés autour du traitement du signal et de la robotique et de l'automatique, qui par hasard m'a fait tomber sur les neurosciences. En tombant sur une offre de stage avec marqué traitement du signal pour étudier l'activité cérébrale, les structures profondes. J'ai dit, ah, c'est bizarre ce truc, ça doit être sympa. Et donc, entre les différentes offres de stage que j'avais autour, qui étaient plutôt type compression d'images ou des choses comme ça, j'ai été voir vraiment par curiosité au début. Et donc, j'ai découvert un labo qui à l'époque s'appelait le LENA. Laboratoire de sciences cognitives et d'imagerie cérébrale qui était la Pitié-Salpêtrière, à l'époque dirigé par Louis Garnero. Et donc, je débarque à l'intérieur et j'avais rendez-vous avec le professeur de l'époque avec qui j'étais en stage par la suite, qui était Sylvain Baillet, qui m'a fait découvrir cet univers. C'est là que j'ai découvert les sciences cognitives et l'imagerie cérébrale dans un univers très pluridisciplinaire. C'est la première chose qui m'a plu. Puisque quand j'ai fait cette visite des différents bureaux, là où j'ai fait mon entretien de stage, il m'a présenté un bureau où il y avait des médecins, puis le bureau d'après, il y avait des mathématiciens qui bossaient avec des physiciens, des ingénieurs, des chercheurs en sciences cognitives, etc., etc., etc. Je trouvais ça complètement dingue. Je me suis dit,
c'est incroyable. Ces gens qui viennent de mondes et de milieux très différents pour étudier le cerveau, son fonctionnement et son dysfonctionnement. Voilà, c'est un univers, j'ai dit, c'est là qu'il faut être, quoi. J'ai été pris en stage et puis j'ai continué, je suis resté un paquet d'années. J'ai fait mon stage, ensuite j'ai bossé comme ingénieur sur du traitement d'image d'IRM pour les AVC, pour le stroke. C'était de la prédiction de croissance d'infarctus. Finalement, j'ai fait une thèse sur ce sujet en traitement d'image spécifique pour faire de la prédiction des algorithmes de prédiction. Et à la suite de ça, j'ai fait un post-doc sur la maladie d'Alzheimer où j'ai repris des modèles sur lesquels j'avais travaillé pendant mon stage avec l'équipe de Sylvain, qui étaient des modèles de reconstruction de sources pour l'EEG et la MEG, donc l'électroencéphalographie et la magnétoencéphalographie, spécifiquement pour les sources profondes, donc le midal et noyaux centraux. Donc j'ai réutilisé ces modèles-là qu'on a mis à jour et qu'on a travaillé avec l'équipe. L'équipe qui s'appelle maintenant Aramis à l'Institut du cerveau et le CENIR, la plateforme d'imagerie MEG EEG IRM avec qui on a développé tout un tas de choses pour étudier la maladie d'Alzheimer, sur lesquelles nous on a fait pas mal de recherches. J'ai bossé 3 ans sur ces sujets-là avec plusieurs neuropsy. C'était aussi un projet très pluridisciplinaire. Et à la suite de ces différents post-docs, est arrivé le moment où il fallait faire un énième post-doc ou aller dans l'industrie, chercher un poste dans l'industrie ou monter un projet. Et c'est là que tous les différents projets se sont mis en face de moi, avec en tête des inconvénients, des momentum plus ou moins matures. Et on a à ce moment-là, je dirais, autour de moi, j'en ai pas mal parlé. J'ai jaugé un peu le momentum, on pourra en parler si vous voulez plus en détail. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de m'engager dans le lancement d'une boîte. En cherchant autour de moi un premier partenaire avec qui on a lancé le projet à l'Institut, qui était lui-même un chercheur, puis un troisième partenaire qui était un gars plutôt business qu'on a rencontré dans un incubateur. Puis ensuite, on a lancé MyBrain, on a fait différentes choses, monté une équipe, puis une plus grande équipe, lever des fonds, créer le premier prototype, le produit, etc. etc. C'est, sans rentrer dans tous les détails, aujourd'hui, donc ce que fait MyBrain et la mission de la boîte, c'est de proposer à travers des produits très concrets qui s'intègrent dans la vie de tous les jours, comme le casque MeloMind, des outils pour faire de l'entraînement cérébral sur la santé mentale. Ça, c'est les premiers outils qu'on a développés. Donc MeloMind, c'est ce casque-là, je vous en parlerai un peu après, avec une petite paire de branches qui se mettent dans le casque. Et en parallèle de ça, en réalité, MeloMind, c'est le premier outil d'entraînement en neurofeedback qu'on a développé, mais qui se base sur une plateforme plus large, une plateforme d'analyse cérébrale et de big data, dans lequel il y a 3 grosses briques, des outils d'acquisition avec des EEG et électrodes sèches, des outils de big data, data management, spécifiquement pour étudier le comportemental, l'électrophysiologie et tout un tas de données multivariées, et puis la partie calcul de kernel cognitif, des biomarqueurs sur des niveaux attentionnels, des niveaux de relaxation, leur dépendance pathologique, etc., tout un tas de choses différentes. Et donc, c'est quelque chose que on a développé pendant ces 6 ans, c'est un travail de R&D assez important, et qu'aujourd'hui, on développe à travers un projet qu'on lance, j'en parlerai un peu après si vous voulez, qui s'appelle l'Innovation Lab, qui est en fait un projet ouvert vers l'industrie en B2B. Et donc, c'est la mise à disposition de ces outils de plateforme, de ces 3 briques complètes ou indépendantes à l'industrie au sens large, petites et grandes entreprises, mais aussi au monde de l'éducation et au monde artistique. Et donc, au sein de l'Innovation Lab, on a différents projets qui sont des industriels avec qui on travaille depuis des années maintenant. Ça fait 5 ans qu'en fait, on a une activité déjà en parallèle de MeloMind, mais dont on n'a pas trop fait de communication pour différentes raisons. On pourra parler aussi si ça vous intéresse. Et qui aujourd'hui se lance plus largement avec différents projets. Des projets, par exemple, qu'on suit avec des startups qui se lancent sur la maladie de Parkinson, par exemple, ou des projets artistiques avec un autre projet qui va se lancer qui s'appelle
utiliser nos technos pour aider un artiste à monter tout un tas d'events autour de l'interaction homme-machine sur des aspects artistiques et interstellaires. On va en parler si ça vous intéresse, mais c'est tapez Inner Cosmos sur LinkedIn, vous allez trouver son poste et on est en train de préparer très avec lui sur ça. Donc, c'est des outils qu'on met à disposition pour déployer ces outils technologiques qui intègrent des couches de neurosciences cognitives spécifiquement, pour faire plein de choses différentes. D'accord, merci beaucoup pour cette introduction très complète. J'avais juste une question, du coup, vous parliez du moment où je suppose un moment un peu crucial, où soit vous continuez avec un autre post-doc, sachant que vous en aviez déjà fait plusieurs, ou alors vous sautiez le pas de créer votre start-up. Et je sais que créer une start-up, c'est quand même quelque chose qui est assez risqué, surtout en biotech, medtech. Comment vous avez réussi à sauter le pas? Est-ce que vous avez eu un mentor, un incubateur ou même un ami proche qui vous a poussé à vous lancer dans l'aventure, pour qui ça avait fonctionné? Qu'est-ce qui vous a poussé à sauter le pas? Il y a plusieurs choses. Déjà, dans mon historique, moi, j'ai fait une thèse CIF, donc j'étais déjà très sensible au monde de l'entreprise en parallèle du monde de la recherche académique. Et avant la thèse CIF, j'avais déjà lancé plusieurs projets. Pendant mon postdoc, j'avais lancé une petite boîte de conseil. Donc, j'ai fait plusieurs choses déjà et l'entrepreneuriat n'était pas inconnu, mais bien loin de tout ce que j'ai appris ces dernières années, évidemment. C'est quelque chose que je fais depuis longtemps et qui trottait dans un coin de ma tête. Ajouter aussi au fait, parce que j'aime ce côté de création de produits, création de choses qui sont aussi très appliquées pour la vie de tous les jours et qui peuvent avoir un impact et que je ne retrouverais pas forcément dans le monde de l'académique standard. En tout cas, le chemin n'était pas forcément le chemin qui m'allait. Et donc, pour répondre à votre question, le momentum, il s'est fait d'abord par rapport à une analyse personnelle de ce que j'avais envie de faire et de là où je me sentirais potentiellement le mieux. D'une certaine manière, quand je faisais l'équilibre entre faire un autre postdoc et me retrouver dans une situation précaire où il fallait encore avoir un contrat sur une ou deux années sans savoir vraiment si tu peux avoir un poste après, etc. Ou se retrouver dans l'industrie sur des postes qui sont très fléchés avec une chose dans laquelle les degrés de liberté sont moins importants que quand on lance sa propre boîte. Ou alors être dans le même niveau de précarité d'une certaine manière, mais en lançant sa propre... Donc là, j'ai fait le choix d'aller vers la troisième option et je ne l'ai pas fait seul, évidemment. C'est des choix qui se sont faits parce que j'en ai parlé autour de moi, à des amis, à ma famille. J'étais déjà marié à ce moment-là et donc un des points importants quand on lance un projet comme une boîte, c'est d'assurer une assise importante autour de soi. Et donc si les proches ne suivent pas, c'est un handicap pour le projet. Et donc à partir de là, une fois que tous les feux étaient ouverts sur à la fois les ambitions du projet et l'analyse des risques autour de ça, finalement le risque n'était pas si important dans un sens où on avait une sorte de... On est en France dans un système qui est plutôt positif pour lancer des boîtes aujourd'hui. Parce que quelqu'un comme moi qui était en postdoc, qui donc a fini son CDD, peut accéder au chômage et a le droit du chômage de chercher un travail ou de lancer une boîte et de rester payé par l'État à des petits montants, évidemment. Mais ça donne une année pour pouvoir concevoir, tester le projet et puis dire « Ok, on y va » ou d'aller faire autre chose. Et en parallèle de ça, on pourra en parler aussi si vous voulez, il y a tous les aspects de financement qui sont aujourd'hui de plus en plus importants en France et qui l'étaient déjà quand on a lancé la boîte. Donc, je veux dire, les éléments qui permettent de se lancer et de diminuer les risques, ils existent. Et votre question sur le mentor est très bonne parce que tout l'enjeu de lancer une boîte, c'est d'être dans un momentum où on est clair pour des raisons personnelles et aussi d'écosystème que c'est le bon moment pour lancer quelque chose. Mais aussi de pouvoir s'entourer, de parler de ça et de ne pas avoir peur de parler de son projet parce qu'on pense qu'on va donner une idée de génie à quelqu'un, les idées sont dans l'air, il ne faut pas hésiter
et de challenger ça, parce que c'est en la challengeant que le projet réel va émerger. Et de cette manière, une vraie estimation des risques peut se faire. Des mentors, j'en ai eu, mais j'en ai encore. Et il faut toujours en avoir. Et c'est des alter ego et des gens qui vont challenger, partager leur expertise et donner une vision que quand on est dans l'opérationnel, on a du mal à avoir. Et donc, il y a à la fois créer son équipe, trouver les bons associés, les bons partenaires, ce qui est une chose très difficile et qu'il ne faut pas sous-estimer. Les mentors font partie de cette équipe. Et donc, j'ai eu des mentors et j'en ai encore. Et leurs conseils sont très importants. Et est-ce que vous aviez déjà une idée très précise du produit que vous alliez faire pour débuter votre startup? Non, le produit est arrivé bien après. Je crois qu'il y a des problèmes de son. Peut-être qu'il vaut mieux couper la vidéo parce qu'il y a des... Ça marche. Merci. Vous m'entendez mieux là? Ouais, c'est bien. Merci. Je dis, l'ambition initiale était vraiment de lancer quelque chose de fort dans la lignée des différentes boîtes qu'on avait pu voir aussi émerger aux quatre coins de la planète en Eurotech à l'époque. Les boîtes américaines notamment étaient déjà très avancées et canadiennes. Et c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, les boîtes qui ont eu le leadership sur le marché des Neurotech sont des boîtes comme Interaxon avec le Muse ou des boîtes comme ça qui ont ouvert le marché, ou Emotive, qui ont ouvert et qui ont démocratisé vraiment le fait qu'on pouvait avoir de l'EEG en masse et commencer à intégrer des outils de sciences cognitives dans des choses très concrètes. Bon, là, à travers l'EEG, mais je pense demain plus largement sur tous les aspects comportementaux, analyse de l'humain dans son environnement, dont l'EEG n'est qu'un outil. Et ça va se déployer plus largement, ça va se jumeler avec tous les nouveaux outils d'intelligence artificielle qui sont de plus en plus puissants. Donc voilà, on a été inspiré aussi beaucoup par ça. On a nous-mêmes commencé avec des motifs d'époque, on a fait des projets artistiques au démarrage. Et voilà, ça permet de faire des POC et de chercher aussi, d'un point de vue plus business, en allant creuser des études de marché très concrètes et en trouvant le chemin qui permet de dire, OK, c'est là qu'on veut aller, quel est le besoin auquel on veut répondre, et de faire le produit qui va pour ça. Donc, on ne se lève pas un matin en disant, ah ben ouais, je vais faire ce produit. Et même le produit qu'on pensait qu'on allait faire en 2015, il est proche, mais il a quand même beaucoup, beaucoup évolué par rapport à ce qu'est le Melomind aujourd'hui. Donc, en fait, au début, vous avez plus trouvé des clients qu'un produit, donc des clients qui vous ont orienté vers le produit qui serait le plus... C'était pas forcément des clients, c'était une étude de marché donc qui va évaluer les différentes optiques dans lesquelles on pense qu'on peut aller. Et puis, sur le marché de Melomind, c'est devenu des clients après. OK. Typiquement, les questions de démarrage qu'on a eues, c'est de partir des marqueurs cognitifs qu'on connaît le mieux ou qui sont plus ou moins stables sur des marqueurs émotionnels, des marqueurs attentionnels, des niveaux de relaxation, d'awareness. Donc voilà, c'est sur des choses qui sont suffisamment matures pour dire on va vraiment jouer avec ça en proposant des choses scientifiques et sérieuses et pas des gadgets. Et c'est en ça qu'on se différencie de nos concurrents parce qu'on a une démarche scientifique dans la construction du produit, de sa validation. Et c'est bien pour ça qu'on a lancé un partenariat avec l'ICM dès le début. C'est pour rester proche de l'académique, avec un pied dans l'académique, un pied dans l'industrie. On a construit une équipe de recherche en interne et avec voilà, une thèse qui a été financée, plusieurs chercheurs qui ont travaillé chez MyBrain et qui travaillent encore sur différents sujets qui sont à l'interface entre trois thématiques. La thématique sciences cognitives pures, sciences cognitives et comportementales, la thématique data science, traitement du signal et une thématique purement machine learning et IA, quoi. Donc, en creusant et en croisant ces différents mondes, on a une équipe de recherche qui répond à nos besoins de la société aujourd'hui. Et donc, dès le début de la startup, vous avez pu travailler avec l'ICM, enfin en partenariat avec l'ICM? Alors, oui, en effet, nous on a démarré vraiment
from scratch, quoi. Il y avait pas, on n'a pas pris de brevet spécifique de l'ICM, on a co-construit avec l'ICM un produit qui est le MetaMind, et donc avec les chercheurs que nous on a, avec qui on a fait le contrat de collab, il y a eu différentes phases qui ont été menées au début de MyBrain, des phases pour montrer qu'on est capable de faire un EEG électrosèche qui soit de bonne qualité, comparable à ce que peut être un brain product avec des électrodes humides, dans quelle mesure on gagne ou on perd différentes parties du signal, dans quel contexte, dans quel test et expérimentation cognitive. Puis il y a une autre partie qui était vraiment très orientée vers le neurofeedback. Une fois qu'on avait décidé de dire on va faire un outil d'entraînement à la gestion du stress par le neurofeedback, on n'a pas réinventé la roue, on est parti sur des choses somme toute assez simples, que Joe Camilla, qui a inventé le neurofeedback dans les années 60, il avait déjà fait des outils de même type, mais qu'on a intégré dans des couches qui sont intégrées dans les dernières technologies, qui sont scalables, c'est-à-dire qu'on peut le mettre à des échelles de plusieurs milliers de personnes, et avec des protocoles cliniques qui ont été faits avec nos partenaires de l'Institut. Donc, toute cette chaîne d'évaluation scientifique et de co-conception, elle était nécessairement faite avec des chercheurs en sciences co académiques, ça, et des chercheurs en traitement du signal ou en data science, voilà, qui sont des gens qui bossent sur le sujet depuis 30 ans. Donc, c'est aussi de leur expérience qu'on bénéficie pour faire le produit. Parce que c'est vrai que de point de vue de quelqu'un qui ne, enfin, qui, moi je connais pas le monde de la start-up dans les medtech, mais on se dit que avoir un partenariat avec un institut, c'est peut-être un peu le saint graal qu'on a après avoir développé un produit pendant quelques années. Mais en fait, si on a déjà des contacts dans un institut, ça peut se faire de commencer dès le début de la start-up en partenariat avec les chercheurs de cet institut. Oui, non seulement ça peut se faire, mais c'est une démarche qui valorise à la fois le produit et le projet dans sa conception. Il y a des instituts de recherche avec qui on a travaillé par la suite, mais parce que c'était d'autres questions auxquelles on voulait répondre pour tester le produit sur d'autres marchés. Et donc, sur ces marchés, d'aller chercher les cliniques ou les industriels avec qui travailler pour ces marchés-là. Et donc de déployer nos technos sur d'autres marchés. Donc là, après, en effet, il y a d'autres partenaires académiques avec qui travailler. Au fur et à mesure, ça, c'est un autre point important dans le lancement d'une start-up, ou même dans sa continuité, c'est d'arriver à créer le bon écosystème autour de la start-up. Et donc, dans l'écosystème, des choses à mettre en place pour monter une boîte, évidemment, les handi tech, en tout cas, et la plupart des choses qui tournent autour des sciences cognitives vont être proches de la deep tech, donc des produits ou des solutions qui nécessitent d'avoir un certain niveau de validation et de mise en place qui prend un certain temps. C'est pas un site internet de vente de chaussures en ligne. Bon, ça peut être des outils qui vont aider à concevoir des produits. Ça, c'est d'autres choses qui sont possibles, mais ça nécessite de bosser avec, je pense, en tout cas, c'est notre démarche, des scientifiques de haut niveau dont c'est le métier et qui peuvent partager leur expertise pour faire gagner du temps. Une start-up doit créer des éléments qui répondent à des besoins dans un temps record, et c'est tout le jeu d'arriver à trouver des partenaires avec qui on est capable de créer et de gagner du temps. Et du coup, au niveau des financements, est-ce que vous avez dû les rechercher par vous-même? Est-ce que vous avez été aidé par vos partenariats, enfin l'ICM ou... Non, côté financement, on n'a pas été aidé par l'ICM. Ce n'est pas la vocation de l'ICM. Eux-mêmes cherchent plutôt des financements. Mais le process, il s'est fait aussi en apprenant. On n'avait pas monté de boîte de cette ampleur-là avant. Donc, il fallait faire toutes les étapes nécessaires au début pour lever des petits montants, donc des levées de fonds auprès de Business Angel, auprès de BPI, la Banque publique d'investissement, gagner des concours, trouver les bons écosystèmes dans lesquels rentrer, qui sont les soutiens pour obtenir ces financements. Donc, par exemple, au début de la boîte, on a été co-incubé dans
un incubateur à l'ICN qui s'appelle IPEPS et un autre incubateur qui s'appelle à Grenoble. On y est resté 2 ans. C'est un super incubateur où on a appris beaucoup de choses et où on a fait nos armes chez Agoranov en apprenant quelles étaient les étapes pour pouvoir créer l'écosystème qui va bien, trouver les bons conseils pour aller lever des fonds. Donc, après des billets, on passe à des phases de très gros business angels ou alors des VC, des venture capitalistes, donc des fonds d'investissement avec qui on va potentiellement lever des fonds. Mais après, il faut voir aussi quel est le projet et l'ambition et la mission. Si ce n'est pas nécessaire de lever des fonds, il ne faut pas enlever. Quand c'est nécessaire, il faut savoir pourquoi on lève des fonds, quel montant et quel type de fonds, et donc pour quel objectif. Ça, c'est un métier à part entière. Donc, quelqu'un qui se lance dans une start-up, soit il est clair avec lui-même que ce n'est pas ce qu'il a envie de faire, il ne veut pas mettre les mains là-dedans, et donc il faut qu'il trouve des partenaires qui vont l'aider à faire ça, des associés ou des partenaires externes. Soit c'est quelqu'un qui a envie d'apprendre ce métier-là aussi et de mettre les mains dedans d'apprendre en faisant. C'est ce que j'ai fait avec mes associés. D'accord. Et du coup, vous avez levé des fonds sur, parce que c'est quelque chose qui est très long à développer, je suppose. Donc, vous aviez un plan sur plusieurs années dès le début du lancement de la startup. Et donc, la levée des fonds qui va avec. Oui, oui, nous, on a levé des fonds depuis 2015. On a fait plusieurs tours d'investissement, plusieurs millions d'euros à chaque fois. C'est des gros montants, mais qui ne sont pas non plus si gros par rapport à la taille des projets. D'autres concurrents lèvent beaucoup plus. Mais ça dépend quel est l'objectif et pourquoi on lève des fonds. Et donc, la question, ce n'est pas tant de lever beaucoup ou pas beaucoup, c'est plutôt quels sont les objectifs et de ce qu'on veut faire avec cet argent. Et donc, voilà, il y a toute une roadmap dans laquelle le financement, entre guillemets, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est un peu la dernière brique. Une fois qu'on sait tout ce qu'on a envie de faire, on construit le projet, le business plan, le financement qui va avec pour dire, OK, sur cette base-là, pour atteindre mes objectifs, j'ai besoin de temps et tant d'argent et aussi tant de temps. Et donc, il y a toute la question du timing qui est une question clé, à quel moment on sort des prototypes, à quel moment on présente les produits, à quel moment on dit telle ou telle chose. C'est toute une stratégie à monter et ça ne se monte pas tout seul, ça se monte avec une équipe, avec des partenaires et en mettant, ben là pour le coup, des expertises qui ne sont pas forcément ou parfois pas liées aux sciences cognitives. Et donc, voilà. De la même manière que les gens, en règle générale, qui sont en sciences cognitives, sont des gens curieux et qui aiment bien toucher à différents domaines parce que c'est pluridisciplinaire par essence, ben là, il faut pousser cette curiosité à son paroxysme et aller discuter avec des financiers, avec du marketing, avec tout un tas de domaines qui ne sont pas forcément les domaines de base qu'on a dans l'académie, en Sciences Co ou en imagerie cérébrale. Et donc, pour vous, si vous deviez citer quelques moments qui ont été cruciaux pour vous aider à pérenniser la startup, parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui se créent, mais peu qui survivent sur plusieurs années avec un business plan qui fonctionne et qui est viable, vous citerez quel moment, du coup, sur ces années avec MyBrain Technology? C'est une question difficile parce qu'il y a vraiment beaucoup de moments. Et concrètement, c'est assez rare qu'il y ait des business plans qui soient vraiment atteints dans des domaines de deep tech où les choses marchent par itération. C'est donc des étapes dans lesquelles les moments clés, c'est des moments d'un côté qui sont des moments humains, où là il faut créer l'équipe et à différents moments de la boîte, l'équipe doit grandir et doit être la bonne équipe associée au bon moment de la startup. Il y a des objectifs qui sont réalistes au début quand on avait la toute première équipe qu'on avait, c'était 8 personnes et on pouvait faire avec 8 personnes ce qu'on s'était donné à faire. Et c'était déjà un gros challenge parce que c'était le travail du double ou du triple. Donc, on a vraiment fait des grosses phases de boulot dans lesquelles on a dû sortir beaucoup de choses de manière à pouvoir passer une autre étape qui n'est pas RH, pour le coup, qui est plutôt une étape de financement.
et qui est d'aller convaincre nous, parce qu'on a fait le choix d'aller chercher des investisseurs privés, des investisseurs privés et de leur faire voir que notre techno avait un potentiel sur un certain business plan, comme vous l'avez dit, et de leur donner à croire dans notre mission. Donc là, ça, c'était un deuxième moment important. Et donc, on a continué. Et un autre moment important, c'est quand on a lancé notre Kickstarter pour faire financer notre pré-prod du Melomind. Donc là, pareil, on a présenté au monde notre casque Melomind, notre envie de faire ça. Le Kickstarter, c'est votre premier prototype, c'est ça ? Sur le Kickstarter, on a mis le premier prototype, en effet, qui en pratique était vraiment à l'état de prototype. Il y avait une petite pré-série, mais c'était tout. C'était vraiment le début. Et surtout, à ce moment-là, on a continué d'écouter un peu le marché par rapport à ce que nous, on avait prévu de faire. Donc, d'améliorer à la fois l'application mobile, de construire cette plateforme de data derrière pour pouvoir faire du big data sur les données cérébrales de manière sécurisée, anonymisée et qui protège bien nos utilisateurs, mais qui permet de faire de la recherche pour améliorer nos algos, améliorer la manière dont on comprend le cerveau et dont on propose à nos clients de faire du neurofeedback et de manière de plus en plus précise. Voilà, il y a plein de moments clés qui ont été des moments à la fois sur des aspects humains, sur des aspects de recherche, sur des aspects de financement. Un des moments clés, ça a été la première fois qu'on a fait fonctionner un EEG au tout début de la boîte. On n'avait jamais mesuré de signaux EEG de nous-mêmes, après avoir monté notre propre EEG. Ça, c'est un grand moment pour nous. C'est la première fois qu'on l'a fait. C'est assez excitant. Et entre le moment où on a fait ce premier EEG et le moment où un produit sort sur le marché et que là, on adresse des milliers de personnes qui l'utilisent, il s'est passé plein d'autres éléments. Et cet autre moment-là où on a lancé le produit, c'était et que le produit était live, qu'il était sur le marché, ça a été un grand moment. Voilà, il y a plein de moments. Puis après, il y a des moments plus difficiles aussi. Boîte est faite de moments, monter une boîte, c'est fait de moments difficiles et faciles. Et est-ce que, du coup, par rapport au premier prototype, est-ce que Melomind a beaucoup évolué depuis ? Alors, de mon point de vue, il a beaucoup évolué. C'est-à-dire qu'on a les technos ne sont pas du tout les mêmes. Les applications, les algorithmes, tout a évolué sans cesse. C'est vraiment un processus itératif. Je dis de mon point de vue parce que du point de vue de certains clients, par exemple, un casque neurofeedback, c'est tellement nouveau pour eux. Voilà, on a par exemple intégré de l'EEG à l'intérieur d'un casque audio. Et quand on le voit comme ça ou qu'on le met, ça paraît simple, mais en fait, ça a été un énorme boulot d'R&D derrière. Créer des algorithmes qui permettent de faire du neurofeedback sur les ondes alpha. Pour les gens qui connaissent un peu les ondes alpha, et ça m'est arrivé souvent que les gens dans des conférences me disent « Ah, mais votre outil, c'est juste un entraînement sur les ondes alpha. » Je leur dis « Ok, mais si vous vous êtes coltiné un jour de mesurer les ondes alpha avec précision en temps réel chez tout le monde, même chez des gens qui ont des petits alphas, qui ont des alphas différents, quand la qualité de la donnée n'est pas bonne et qu'il faut faire du traitement du signal à tous les niveaux, ben là, vous savez que mesurer l'alpha ou les autres bandes de fréquence pour faire du neurofeedback de qualité, ça nécessite de lever des challenges algorithmiques importants. Et que des gens avec qui on a bossé, qui sont des chercheurs dans l'académie depuis 20-25 ans sur l'EEG, qui ont développé beaucoup de choses, se sont vraiment cassés les dents avec nous sur ce problème jusqu'à ce qu'on trouve quelque chose qui fonctionne bien et qui soit stable et robuste pour donner un retour de qualité aux gens. Donc voilà, il y a à faire un prototype et il y a à faire un produit. Et c'est deux mondes séparés, surtout en deep tech et en sciences cognitives, où il faut relier des mondes très différents, de l'électronique, de l'électrophysiologie, du traitement du signal, des protocoles expérimentaux, croiser du quantitatif avec du subjectif, faire des protocoles d'acquisition et d'évaluation randomisée double aveugle pour de neurofeedback. On a fait vraiment beaucoup de choses qui sont très différentes et qui ont amené un prototype à un produit, en tout cas pour nous, dans ce qu'on s'est donné comme objectif, qui soit de qualité pour nos clients.
Et là, je ne parle que de MeloMind, parce qu'en réalité, derrière ce que je disais sur l'Innovation Lab au début, faut voir MyBrain aujourd'hui plutôt comme un fournisseur d'une plateforme de traitement d'activité cérébrale à partir de l'EEG, mais pas que. Et donc, on a aujourd'hui à disposition pour nos partenaires, on a mis à disposition cette plateforme avec ses différentes briques pour pouvoir extraire ces différents biomarqueurs ou ces analyses à la fois subjectives, comportementales et électrophysiologiques. Donc, MeloMind, c'est juste un flagship, c'est juste un premier produit qui est visible de l'extérieur, mais en réalité, derrière, c'est une plateforme d'analyse. La plateforme, c'est vraiment l'évolution de votre projet qui n'était pas prévu dans le premier business plan que vous avez montré. Alors, la plateforme, c'est une bonne question parce que dans le démarrage de la société, on a toujours eu une vision qui était de monter une plateforme d'analyse big data qui serve à créer des produits. Aujourd'hui, la plateforme, on l'a propose avec des business models pour l'industrie ou l'académie ou des artistes qui est forcément différent de ce qu'on a pensé au début, mais c'est toujours resté une arête, une ligne directrice qui a grandi et qui a itéré dans sa forme actuelle, qui n'est évidemment pas celle qu'on a pensée il y a 5 ans, mais qui globalement a toujours pu plus ou moins exister dans la boîte. Vous avez fait une très belle transition en parlant de votre Innovation Lab, puisque justement, c'est la prochaine question. On aurait voulu savoir si vous aviez d'autres perspectives d'évolution. Et surtout, vous évoquiez tout à l'heure avec l'Innovation Lab que vous étiez en contact avec des industriels, petits comme gros. Et donc, quel est l'intérêt de ces industriels à mieux connaître et à travailler avec les sciences cognitives, et quelle est votre approche, vous, en tant que start-up avec ces industriels? Comment êtes-vous perçu? Comment faire votre pub, justement, pour pouvoir vous imposer, entre guillemets, sur ce marché? Alors, il y a plein de questions dans la question. je vais les découper en 3-4 morceaux. Le premier morceau, c'est les futurs produits et les évolutions vers lesquelles on va. Concrètement, on est en train de travailler sur toute une version médicale de la plateforme, mais également du produit MeloMind pour notamment les troubles de l'anxiété, sur différentes pathologies en psychiatrie, et donc d'aller vers un versant plus médical. Donc ça, c'est des produits qui existent déjà et qu'on teste avec des partenaires. Qui sont intéressés par ces nouvelles technologies dans le parcours de soins d'un patient en psychiatrie. Donc c'est vraiment le versant psychiatrie computationnelle sur lequel on met beaucoup d'énergie à travers cette évolution de MeloMind. Et du côté de l'Innovation Lab, donc sur deux autres parties de la question, la partie qu'est-ce qui intéresse les industriels petits et grands? Concrètement, c'est devenu un acquis pour tous les industriels qu'il va falloir pour retrouver un moyen d'intégrer de la data science dans leurs produits, dans leurs services, dans la manière de gérer leur bac, leur front. Et c'est ce qui fait aujourd'hui la richesse de toutes les boîtes qui font du déploiement de data science, de data warehouse. Et pour partie de ces industriels petits et grands, c'est assez clair, en tout cas avec le travail que nous on fait, qu'il y a des choses intéressantes à aller chercher dans d'autres thématiques comme les neurosciences. Parce que les neurosciences, la science qui va leur apporter une couche d'intelligence supplémentaire dans l'interaction avec leurs users, avec leurs utilisateurs, va leur donner de la différenciation sur le marché ou la possibilité de proposer de nouvelles caractéristiques, de nouvelles features dans leurs produits. Ou alors d'analyser mieux leurs produits et d'optimiser la conception de leurs produits, la neuroergonomie. Donc, un industriel qui fait, par exemple, des sièges de voiture, il peut être intéressé de comprendre comportementalement, électrophysiologiquement, qu'est-ce qui se passe avec son produit. Est-ce qu'il met mal à l'aise les gens? Est-ce que le confort est mauvais? Est-ce qu'émotionnellement,
un industriel de la musique va se dire, finalement, je ne caractérise pas bien mes musiques, comment je peux mieux faire ça? Il y a plein de sujets différents dans l'industrie. Chaque industrie va avoir demain besoin de neurosciences, de sciences cognitives. Et c'est pour ça que je pense, pour tous les gens qui nous écoutent, qu'à moyen terme, l'industrie au sens large va ouvrir des postes sur les sciences cognitives. Et beaucoup d'industriels qu'on voit aujourd'hui intègrent des postes, notamment côté produits ou R&D, qui mixent de la data science et des neurosciences. Ça va l'être de plus en plus. Et je ne parle même pas du côté traitement d'image, traitement du signal. Là, il y a beaucoup de choses aussi qui vont se faire, où je ne parle même pas des aspects purement machine learning, intelligence artificielle, qui sont des thématiques sur lesquelles tous les acteurs majeurs du marché aujourd'hui qui dirigent les directions de recherche de l'IA ont mis on top de leur recherche l'intégration des sciences cognitives d'une manière ou d'une autre. Et vous le voyez avec les derniers algos de DeepMind, de ce que fait Yoshua Bengio, Mila, tous ces gros acteurs cherchent à intégrer d'une manière ou d'une autre des fonctions cognitives dans des modèles de leur deep learning, de leurs IA X ou Y. C'est le cœur de ce qui est en train de se faire aujourd'hui. Ça s'accélère, ça va à une vitesse incroyable. Et donc, le monde de l'industrie qui se dataïse de manière massive va avoir besoin de ces connaissances que vous portez tous à travers vos différents cursus. Et c'est aussi pour ça que je pense que, en tout cas dans le cadre d'une start-up, c'est bien d'avoir une vision un peu 360 degrés de ce qui se fait autour des sciences cognitives. Donc quelqu'un qui fait du comportemental se dise, ok, comment ce que j'ai appris à faire, ça peut interagir avec de l'IA. Et puis un autre qui fait des sciences cognitives ou même de la cognition sociale va se dire, ok, comment je peux utiliser ça avec des marqueurs d'un autre type, en génétique ou je ne sais quoi. Il faut aller chercher des trucs qui sont assez vastes parce que c'est ce vers quoi va aujourd'hui l'industrie. Après, dans l'industrie, à chaque fois, évidemment, ces acteurs se posent des questions pour leur domaine très précis. Ce n'est pas aussi vaste que de faire de la recherche fondamentale sur l'étude d'un processus cognitif précis, évidemment. Parfois, certains le font, mais c'est moins commun. Oui, justement, je pense que vous apportez beaucoup d'espoir aux personnes qui nous écoutent ou qui nous regarderont en replay plus tard en disant que l'industrie va ouvrir de plus en plus de postes pour les sciences cognitives de manière générale. Et donc, merci de le dire, parce qu'aujourd'hui, les étudiants ont pas mal de difficultés justement à savoir comment s'orienter, où s'orienter, dans quelles entreprises. Et justement, vous parliez de DeepMind et de développement d'algorithmes. Vous êtes en train de développer une branche IA chez MyBrain Technologies. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus et quels seraient les bénéfices pour MyBrain à court et long terme? Alors, la branche IA qu'on développe, c'est une des trois briques dont j'ai parlé pour l'Innovation Lab. À l'intérieur de MyBrain, les outils qu'on a développés sont déjà tous des outils de machine learning quasiment sur les outils qui sont derrière le neurofeedback de MeloMind pour analyser la qualité des données, pour analyser les différents programmes, la progression. Et donc, aujourd'hui, on est dans des démarches qu'on fait déjà d'un point de vue de recherche sur le MeloMind, avec des chercheurs qui travaillent sur l'analyse des données, comment analyser des indices de progression, de prédire ces états mentaux uniquement à partir des données, de pouvoir prédire la progression des users dans le programme de neurofeedback, de faire de la classification non supervisée des différentes sous-populations. Il y aura beaucoup de questions de recherche en IA derrière le produit MeloMind lui-même, mais à travers l'Innovation Lab, ce qu'on est en train de pousser, c'est une branche qui va mettre à disposition des outils de machine learning qui vont être dédiés pour l'analyse comportementale et cérébrale de nos clients. Et donc ça, c'est ce qu'on fait avec une partie de l'équipe.
mais aussi qu'on co-développe avec certains de nos clients qui, eux, ont déjà des outils d'intelligence artificielle, par exemple, pour faire de... là, je parle d'une boîte sur Parkinson avec qui on travaille. Eux ont des algos d'intelligence artificielle pour faire du diagnostic de Parkinson. Et ces outils, ils n'utilisent pas aujourd'hui d'activité cérébrale ou de sciences cognitives, simplement des mouvements moteurs. Et donc, l'idée, c'est comment est-ce qu'ils peuvent aller plus loin en intégrant des couches d'informations supplémentaires qui viennent du cerveau. Et donc là, nous, on va justement coupler nos intelligences artificielles, nos outils de machine learning. Parce que l'intelligence artificielle, ça veut tout dire et rien dire. C'est un peu un mot fourre-tout. Mais là, plus spécifiquement, voilà, des outils d'aide au diagnostic plus précis qui se construisent sur des bases d'apprentissage qui sont intelligentes avec des outils, des datas multivariées et une manière particulière de mixer ces datas. Et donc, voilà, c'est des choses qu'on fait après qu'on co-construit avec certains de nos partenaires. Et c'est aussi quelque chose de nouveau pour plein de gens dans l'industrie. Donc, on a un gros travail qu'on fait depuis 5-6 ans qui est de vulgariser ce qu'on peut faire avec les neurosciences aujourd'hui pour l'industrie. Et c'est en ça que je dis que je vois s'ouvrir des postes dans l'industrie de plus en plus. Ce n'est pas encore non plus des milliers de postes qui s'ouvrent, mais dans chaque industrie qu'on va voir, depuis l'automobile jusqu'à la fragrance, on voit des cogniciens, on voit des postes plus ou moins proches des sciences cognitives qui s'ouvrent. Dans les labs de recherche, dans les boîtes de R&D, il y a un intérêt très fort pour les neurosciences. Après, dans l'industrie, voilà, c'est sur des questions qui sont des questions, encore une fois, très ciblées sur l'industrie elle-même. Et donc, voilà, je pense que ce n'est que le début là-dessus. En tout cas, ça ne va pas s'arrêter même. J'ai une petite question, peut-être un peu personnelle pour moi. Je ne sais pas si ça va intéresser tout le monde, mais d'après Pôle emploi, je ne sais pas si c'est une bonne référence, mais en tout cas, ça reste une référence. Les 9 nouvelles entreprises dans l'e-commerce sur 10 font faillite dans leurs 120 premiers jours et peu de startups franchissent le cap des 3 à 5 ans. Donc, vous allez arriver dans votre 6e année, il me semble. Je voulais savoir si vous aviez déjà pensé à arrêter votre start-up. Là, pareil, il y a deux questions dans la question. La première partie par rapport à la stat de Pôle emploi, elle est intéressante. Et je pense en effet qu'il faut avoir à l'esprit que monter un projet, c'est se dire qu'il y a une majorité de chances de se planter, mais que ce n'est pas grave, quoi. Ça fait partie du projet. Et on a tendance souvent à se dire que si on se plante, c'est une remise en question existentielle, etc. C'est faux. Et dans cette startup depuis 6 ans, évidemment, j'ai fait X erreurs et X plantages, mais chaque plantage, il a servi à construire l'étape d'après. Et donc, au final, d'arriver à construire un bateau qui va dans le bon sens et qui continue de vivre, on a la chance d'avoir réussi à créer des produits qui se vendent, à créer une start-up qui s'est financée dans le temps, à gagner pas mal de concours, à créer un écosystème autour de nous. Et ça, c'est majoritairement grâce à l'équipe. On a une équipe qui est solide, qui est motivée, qui a de la bienveillance en interne les uns envers les autres, en tout cas le plus qu'on peut dans les moments difficiles et comme dans les moments faciles. Après, il y a aussi ce que je disais au début, cette question de momentum. À 9 sur 10 qui se lancent, ça dépend à la fois de la détermination qu'on met dans le projet, sa capacité à bien construire pour qu'il soit le plus robuste à la mise en vol de l'avion qui va nécessairement mettre des turbulences assez fortes. Et donc, si on n'a pas bien construit l'avion, on n'a pas bien mis en place le plan de vol, les turbulences vont dégommer l'avion 9 fois sur 10, ça c'est clair. Donc, ça dépend comment on a construit l'avion, qui est le pilote, qui a construit les différentes briques, et qu'est-ce qu'on a mis, est-ce qu'on a mis assez de kérosène, etc. Donc, il y a plein de questions qui font forcément que la plupart du temps, ça ne marche pas. C'est aussi une remise en question permanente. Je ne sais pas trop ce que valent les stades de « ça ne passe pas les 3 à 5 ans, sincèrement ». Des boîtes sont toujours en danger. Parce que ce qui différencie une start-up du mot start-up d'une boîte standard, d'une PME ou d'une grande boîte, c'est à partir du moment où la boîte elle a défini
un modèle économique et que ce modèle économique fonctionne sur le marché. Elle commence à avoir une récurrence de rentrée et que le produit tourne ou que ces produits tournent, qu'il y a, il y a différents produits et qu'il y a de la vie à travers. Voilà, monter une boîte, il faut avoir clairement à l'esprit que ce n'est pas pour faire de la recherche, c'est pour faire du business et que la boîte va vivre en faisant de l'argent qui, lui, va faire vivre potentiellement après des produits, des projets de recherche et autres. Donc, ce n'est pas la même démarche. Mais d'une certaine manière, dans l'académie, c'est aussi, et vous voyez à travers les différents profs qui vous donnent des cours, les labos dans lesquels vous pouvez être, ces mêmes profs passent beaucoup de leur temps à construire des projets qu'ils doivent faire financer par l'ANR, par des PHRC, etc., etc. Donc, la démarche, elle n'est pas si lointaine. Mais c'est des milieux et des mondes différents. Après, pour la question, est-ce que j'ai déjà pensé à arrêter ? Concrètement, comme pour tout projet, et même pour faire sa thèse, c'est comme si, est-ce que j'ai pensé, pendant que je faisais ma thèse, j'ai pensé à arrêter ma thèse, ou pendant mon postdoc, est-ce que j'ai pensé à arrêter mon postdoc ? C'est de trouver le juste milieu entre la détermination et l'obstination. Il y a un moment donné, tant que ça ne fonctionne pas, et les 9 fois sur 10, admettons que ça ne fonctionne pas, des fois, il ne faut pas s'obstiner, il faut passer à autre chose. Mais quand on pense qu'on est dans la chance sur 10 ou dans les quelques chances de la majorité qui peut fonctionner, là il faut être déterminé et il faut évidemment les pensées d'arrêter peuvent passer par la tête et c'est là qu'il faut les gérer et si elles passent par là, c'est parce qu'elles doivent construire une manière de se construire psychiquement et mentalement et aussi structurer son projet et identifier pourquoi ces pensées-là arrivent et de dire, OK, j'ai identifié les problématiques, je peux construire autour de ces pensées-là les éléments qui vont faire passer aux étapes suivantes et le faire avec détermination. Voilà. Après, la détermination ne fait pas tout le boulot, évidemment. Comme je disais, c'est un travail d'équipe. Quand je parle ici de MyBrain et que je vous explique tout ça, c'est une équipe qui a évolué depuis 6 ans. C'est, je ne sais plus combien, mais des centaines de personnes qui sont passées par MyBrain. On est 30 aujourd'hui et on a oscillé avec des entrées-sorties, mais une équipe qui est plutôt stable et robuste dans le temps. Donc, ça fait quand même beaucoup de monde qui est passé chez nous et on espère faire grandir l'équipe encore et continuer comme ça. Donc, voilà, c'est évidemment, il faut rester déterminé quand on a lancé un truc. Et après, c'est aussi lancer une boîte, c'est un des autres axes qui peut intéresser les gens qui nous écoutent, c'est que on lance avec une mission, une envie et tout un tas de choses à créer. Derrière, monter une société, c'est une responsabilité. Parce qu'on va faire travailler des gens, on va travailler avec des gens. On va proposer des produits à des clients. On va mettre en place tout un tas d'éléments qui nécessitent d'avoir cette prise de conscience. Que cette détermination elle est aussi nourrie par plein de facteurs très positifs autour de ce que la start-up et le projet peut apporter personnellement comme au niveau du groupe. C'est quand même une des magies de monter une start-up, c'est de pouvoir dynamiser et emmener un groupe, une intelligence collective à réaliser des objectifs. Ça c'est quelque chose de magique dans le lancement de l'univers. Et dernière question, mais je pense que vous avez un peu répondu déjà. Quels conseils apporteriez-vous aux personnes qui s'orientent en sciences cognitives pour justement créer leur start-up ? J'ai un peu répondu avec tous les axes de il faut s'entourer, il faut choisir le bon moment, il faut avoir les idées claires par rapport à ce qu'on veut. Je pense qu'il y a deux choses importantes. Qui peut caractériser spécifiquement le fait de lancer une boîte en sciences cognitives, lancer une boîte déjà en règle générale, je pense qu'à un moment donné, il faut se poser, il faut dire, OK, je me prends une feuille blanche, un papier, ou je le fais mentalement, mais je pose une sorte de d'écrit clair sur c'est quoi mon objectif, quel besoin, quel truc je veux résoudre dans le monde, qu'est-ce que j'ai envie de faire. Qu'est-ce que j'ai envie d'apporter et de le poser quoi et de le travailler. Et c'est un process itératif. On se lève pas un moment en se disant OK, on va faire un Hello Mind. Et donc là, de dire si on veut lancer une boîte, il faut le poser, savoir exactement c'est quoi notre envie,
Il ne faut pas hésiter à l'écrire, à le raturer, à le challenger avec les gens autour de vous, à bien s'entourer. Et spécifiquement pour les sciences cognitives, qui sont des sciences qui sont l'interface entre plein de monde, et notamment pour des gens comme, j'imagine, beaucoup de ceux qui nous écoutent viennent de l'université ou d'école d'ingénieurs ou de labos de recherche, on va avoir très souvent tendance à mettre les gens dans des cases. Toi, tu es un neuroscientiste ou tu es un cognicien ou tu es un data scientist ou je ne sais quoi. Ne laissez personne vous mettre dans des cases, quoi. Si mon conseil, c'est de dire, vous voulez faire une boîte, vous voulez pousser sur le marché des... ou même pas faire forcément votre boîte, mais vous rentrez dans une autre boîte, dans un labo ou n'importe où, on va forcément vous mettre une étiquette. Ah oui, toi, tu es la fille du comportemental, donc toi, tu vas faire ça et tu ne feras que ça. Et les gens aiment bien mettre les gens dans des cases. Et pour pouvoir monter en tout cas un projet en sciences cognitives, ça va dans les deux sens, hein. Pas se mettre soi-même dans des cases. Donc, il faut être ouvert à comprendre le langage de tous les autres, d'être ouvert à comprendre ce que dit un philosophe, un artiste, un data scientist, un mathématicien, un marketeur, et parler avec tous ces gens, et surtout de comprendre et d'aller creuser et d'être curieux, parce que ne pas se fermer dans une case, c'est aussi une responsabilité personnelle d'être suffisamment compétent et de monter en puissance, d'apprendre des choses. Et c'est moi ce qui m'a plu dans le lancement de la boîte, c'est qu'au fur et à mesure des années, j'ai appris au contact des gens de différents milieux ce qu'est mon métier aujourd'hui. Quelle interface entre faire de la recherche, du brain data, du business, aller signer des partenariats avec de très gros groupes et puis faire des projets artistiques avec des artistes qui ont des trucs complètement fous qu'ils ont envie de faire. Voilà, je peux le faire parce que je me bats pour ne pas être dans une case, pour que je puisse dire oui, il y a un axe business qui m'intéresse, mais je ne le fais pas seul, je suis entouré de business guys qui sont bons, qui sont capables de pousser des portes que je n'aurais pas pu faire tout seul, et d'un autre côté, travailler avec des équipes de recherche, des data scientists, qui de la même manière vont apprendre des autres, et moi apprendre d'eux, etc. Donc, ne pas se laisser foutre dans des cases. Merci beaucoup. J'ai peut-être une dernière question rapide avant les questions du public. Est-ce que vous, au début du projet, vous avez jamais eu peur de faire un produit qui était peut-être irréalisable, comme vous êtes le premier à l'avoir fait, et à partir de, vous aviez prévu de faire des bénéfices à partir de quelle année? Est-ce que vous avez tenu cet objectif, parce que c'est quand même un gage de, peut-être pas de succès, mais qui en tout cas peut amener à la réussite ou à l'échec d'une start-up s'il n'y a pas les bénéfices qui rentrent au bon moment. Alors là, il y a deux parties dans la question. La première sur le produit, est-ce que j'ai eu peur de monter des produits? Je ne sais pas si c'est le sentiment de la peur, je ne crois pas. Mais en tout cas, c'est ce qui est excitant, quoi, de dire on va faire des choses. Et c'est en ça qu'il faut arriver à ne pas vouloir à trouver une signature personnelle une signature de ce que l'équipe veut créer. Parce qu'encore une fois, c'est pas moi qui ai fait le Mellomind, c'est une équipe qui a construit ce Mellomind dans le temps. Et les différentes personnes qui y sont passées, qui ont écrit des bouts de code, qui ont fait des morceaux d'électronique, qui ont créé des protocoles d'enregistrement, qui ont créé les musiques, qui ont créé le protocole de neurofeedback, enfin tout ce qui s'est fait de manière itérative et dans le temps. Et donc, cette excitation ou cette peur qui peut venir de se dire ok, est-ce qu'on va réussir à faire ce truc-là, elle est aussi lissée à travers l'équipe qu'on construit. Et ça ne repose pas sur les épaules d'un gars qui s'est levé un matin en disant on va faire ça. Et donc ça, c'est pour la première partie de la question là. Et aussi côté produit, parce qu'on est challengé par nos clients. Quand on propose quelque chose que les clients ne veulent pas, on se le prend direct dans la tronche, et donc si on ne s'adapte pas, le produit il ne va pas très loin. Et donc si on crée des choses qui répondent à un vrai besoin, ça avance pas forcément autant qu'on veut, ça avance parfois plus que ce qu'on veut,
Mais en tout cas, on répond à quelque chose de concret. Donc, identifier le problème et le besoin, c'est le point de départ. Après, est-ce qu'on fait des bénéfices ou est-ce qu'on a réussi à obtenir à temps les bénéfices qu'on voulait faire? Alors, là, il y a deux parties dans la réponse que je peux faire. La première, c'est que, grosso modo, tous les projets qui ont une roadmap et qu'on pense qu'on va faire en X jours, ils vont se faire en X fois 2 jours. Voilà, ça, c'est la base. Et même quand on est très optimiste, c'est assez difficile. Sans expérience de création d'un produit qui n'a jamais existé, je parle. Quand c'est quelque chose qui a déjà un process, qu'on connaît, le produit existe, on sait faire une paire de chaussures, a priori, bon, si je refais une autre paire de chaussures qui est un peu dérivée de la première, je suis capable de tenir exactement les délais, mes chiffres, je sais comment ça va se vendre, je connais comment, quel est le retour marché. Là, dans notre cas, c'est un peu différent. On est en plein milieu de la jungle, on a une grosse machette et puis il faut avancer au milieu d'une jungle où il faut défricher et on défriche. Ça fait 5 ans qu'on défriche, qu'on pose des drapeaux à droite, à gauche, avec des produits, des services et sur différents marchés, qu'on teste des choses. Certaines marchent, certaines ne sont pas du tout rentables. On arrête, on passe à autre chose. Il faut être capable de pivoter. Ça, c'est un des autres clés de la startup. Mais là, je pourrais en parler une heure. C'est encore un autre sujet à part entière. Okay. Merci beaucoup, c'était très clair. Je ne sais pas si Mathilde, tu as une autre question, si on peut passer aux questions du public. Non, c'est bon, on peut passer aux questions du public. Du coup, à tous ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à aller sur le Q&A et vous pouvez voter pour les questions qui vous intéressent le plus. Et du coup, la question qui a le plus de votes, là, c'est quelles sont vos prédictions sur le futur de la neurotechnologie dans 5, 20 ans et 50 ans ? Je suppose que c'est pour aider les étudiants à s'orienter peut-être dans le marché du travail et savoir pour vous quel serait le futur de la neurotechnologie. Alors, c'est une bonne question et j'avoue que ce que je vais dire, voilà, je n'ai pas une boule de cristal, donc concrètement, je vais vous partager des hypothèses qui peuvent changer d'une année à l'autre parce que les choses bougent à une vitesse incroyable. La première chose que je vais expliquer, c'est que ce que je peux voir de 5 ans d'expérience de Neurotech, c'est que le marché de l'industrie se sensibilise de manière très très forte à l'intérêt d'utiliser les sciences cognitives pour comprendre leurs produits co-concevoir des produits qui intègrent cette intelligence à travers de la data science ou à travers simplement un nouveau type d'interaction. Ou alors simplement certains qui l'utilisent pour mieux vendre leurs produits. Ça, c'est encore un autre sujet. Les neurotech, je pense, elles vont vers des marchés qui sont plus ou moins matures. À moyen terme, tout ce qui est lié à l'analyse des produits, à la compréhension de l'interaction de l'homme avec son environnement, et donc dans un plutôt d'un côté suivi de la conception ou de la construction des produits ou de l'analyse des produits. Ça, c'est un marché en neurotech qui est assez mature. Il y a beaucoup de choses qui sont proposées. Il y a tous les marchés du. Alors, je ne sais pas si la question elle se porte plus sur les marchés que comment elles vont évoluer neurotech. Donc, les auditeurs pourront dire ce qu'ils préfèrent, mais le marché du médical, celui sur lequel nous on avance, c'est un marché qui est très porteur vers beaucoup de choses. La psychiatrie computationnelle, évidemment, il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire et il va y avoir une vraie transformation. Mais la médecine au sens large, la manière dont on réfléchit le parcours patient, sa transformation, son interaction, son suivi de niveau de stress, d'anxiété, ce qui permet d'avoir un meilleur engagement d'utilisateur ou du patient. C'est des questions produites pour des gens de différentes industries qui sont matures comme l'automobile ou autre, mais aussi dans l'industrie médicale, qui sont des industries où là, maintenant, très tôt, les gens des sciences cognitives ont des choses à apporter. Et donc, ça... toute la partie expérience utilisateur, l'UX et le suivi de l'interaction homme-machine, elle intègre déjà pour beaucoup. Il y a plein de studios qui se lancent pour intégrer des neurotech. Alors, plus spécifiquement sur les neurotech, il y a une transformation
qui, dans le temps, pour la partie de la question qui est plutôt moyen-long terme, celle-là, elle va dépendre, à mon sens, de deux paramètres. Le premier, c'est l'évolution du hardware, et le second, c'est l'évolution des modèles en intelligence artificielle qui vont introduire et distiller du brain data ou des modèles de data. Pour la partie hardware, ça évolue vraiment très vite. On fait tous des technos qui sont, je dirais, de plus en plus stables, de plus en plus intégrables dans les outils de tous les jours. Donc, la neurotech, à moyen terme, je dirais 5 à 10 ans, ça va être des paires d'earpods qui vont intégrer de la mesure cérébrale, ça va être des casques Bose qui seront tous des électrocardiogrammes et des plateformes musicales qui vont intégrer des analyses préférentielles sur des bioanalyses et du comportement de l'utilisateur dans son interface sur son smartphone. C'est assez évident de voir vers quoi va Google ou Facebook dans ce monde-là. C'est-à-dire Facebook, il y a 2 ans, a lancé un laboratoire de neurosciences en interne avec des ambitions qui ne sont pas forcément très claires. Mais de ce qu'on a vu, en tout cas, sur les grandes lignes, que ce soit dans des interactions avec de la réalité virtuelle ou simplement comment mieux comprendre la cognition sociale à travers les réseaux sociaux, c'est des sujets sur lesquels tous ces acteurs se mettent plus précisément. Après, ce qui fait du buzz souvent, c'est les interfaces à vos machines pour faire du contrôle, donc des PCI de commande. Donc Facebook, comme les autres, s'y mettent beaucoup. Et là, c'est pareil, c'est un marché qui va exploser. Il y a de plus en plus de choses, mais il faut rester réaliste sur la capacité de faire une PCI de commande qui fonctionne dans la vraie vie de tous les jours, de manière efficace pour un besoin et un service qui ne nécessiterait pas de, qui n'aurait pas le même résultat avec un EOG, un eye tracker ou je ne sais quoi d'autre, un électromyogramme qui ferait aussi bien le job au global par rapport à l'industrie elle-même. Mais il y a des nouvelles technos et là, c'est là que l'intelligence artificielle rentre en jeu et va apporter de plus en plus de précision au VCI de commande, mais aussi au VCI de diagnostic et de pronostic ou alors simplement d'interaction dans différentes analyses produits. Tous ces gens utilisent déjà du machine learning de base. Ils payent des boîtes où ils intègrent des data scientists dans leurs équipes pour faire ça. Et c'est là où je pense qu'on ne s'en rend pas compte aujourd'hui. On est, nous, parmi les premiers à commencer à essayer de distiller un maximum les neurosciences dans ces industries-là. Mais de la même manière, à mon sens, encore une fois, peut-être que je vais me tromper, mais de la même manière que la data science aujourd'hui transforme déjà l'industrie de manière massive, je dirais d'ici 5, 10, 15 ans, la neuroscience va transformer aussi la manière dont les gens pensent leurs produits dans les industries. Et ça de deux façons. La première, par rapport à ce que j'expliquais du côté de l'évolution hardware, de l'intégration de l'hardware dans le monde de tous les jours de l'IoT, qui est encore un marché instable. C'est pas si, je veux dire, si on fait un... Si on fait un sondage sur les 25 spectateurs qu'on a avec nous et vous, les panélistes, vous n'avez pas tous des iWatch ou des objets connectés sur vous ou chez vous. Donc, c'est encore un marché qui va à une certaine vitesse et ce n'est pas non plus pour après-demain. Donc, voilà, d'ici 5 à 10 ans, ces marchés vont à des vitesses qui sont très, très rapides. Les technos vont à des vitesses qui sont très, très rapides. Et donc, je pense qu'il va y avoir une convergence, en tout cas de l'utilisation des sciences cognitives et concrètement, cette convergence, elle va dépendre de ce que nous tous, on va faire autour de la table pour amener ces outils-là. Quoi. Donc, voilà. Il y a ce que la science propose, il y a comment est-ce que les gens qui vont aller dans l'industrie vont la proposer à travers cette recherche qui foisonne chaque jour de milliers de papiers sur tout ce qu'on apprend sur l'humain et le cerveau. D'accord, merci. Question super intéressante. Merci Hugo. Et une autre question du coup qu'on a de Maxime, c'est comment réaliser une étude de marché en neurosciences. Donc je crois que ça fait référence au début de l'interview où vous parliez du business plan que vous aviez dû faire pour débuter votre startup. La réponse, elle est de. Il y a deux manières de faire. Soit on apprend à le faire et c'est pour des besoins assez minimes au début pour pouvoir cadrer et on va soit se rapprocher de gens qui peuvent nous aider à le faire, soit la faire soi-même et en apprenant à le faire, mais pour des petits besoins.
quand on a une réalité d'accès pour tel ou tel produit ou une recherche de réponse pour l'accès à tel ou tel marché, là, il faut aller bosser avec des gens dans ces métiers, quoi. Pour aller chercher des gens ou des boîtes qui font ça très bien, qui ont des équipes pour faire ça, qui ont accès à des databases de survey sur tout un tas de sujets, qui vont faire des questionnaires et des focus group pour les clients des marchés que vous avez testés, qui vont faire des évaluations qui s'appellent des évaluations technico-économiques, et donc de trouver le chemin de moindre effort entre votre techno et le réel besoin marché, est-ce que les gens vont acheter et à quel prix. Ça, c'est un vrai job, ça coûte assez cher d'ailleurs. Donc, ceux qui veulent faire ça, en réalité, soit c'est un premier petit niveau pour cadrer, soit c'est vraiment une grosse étude de marché, enfin petite ou grosse, peu importe, qui nécessite d'avoir un process professionnel, et là, il faut passer par les professionnels. Du coup, ça rejoint aussi une autre question qu'il y a, c'est sur les connaissances en business et marketing pour monter une start-up et vous lancer. Du coup, vous faisiez appel à des professionnels extérieurs, mais est-ce que parfois, vous pouvez vous débrouiller avec les moyens du bord, avec des conseils, avec des formations en ligne, je ne sais pas. Alors, même pas qu'au début, hein, c'est toujours le cas. Quand on a une start-up, on doit trouver des astuces et sans cesse. Donc, on est obligé de trouver à la fois des solutions soi-même, de suivre son intuition ou son expérience par rapport à des sujets et de ne pas se dire, parce que je ne suis pas un marketeur, je n'ai pas une bonne idée. Non, il faut être capable de suivre ses intuitions. Mais surtout, et ça, la réponse dans sa question, c'est vraiment de s'entourer de professionnels en fonction des moyens qu'on a, avec une intensité plus ou moins grande pour construire le marketing de son produit, de sa boîte, de son projet, les différents plans stratégiques et opérationnels. Voilà, il faut vraiment voir le marketing, et en France, on ne le voit pas forcément comme ça, mais c'est un art, quoi. C'est un métier à part entière, c'est une manière de penser, et qui est complètement accessible à tout celui qui a envie de le comprendre et de s'y plonger. C'est hyper intéressant, et pour partie, c'est très proche d'essayer de comprendre beaucoup de choses qu'on peut comprendre avec les sciences cognitives. Donc, c'est un domaine passionnant, et au sens large, pas que le marketing, hein, tous les aspects business, ben, il faut monter en compétences en apprenant et en faisant soi-même, mais avec le conseil et l'aide de soit d'associés, soit de recrutement qu'on fait, soit de partenaires externes. Et ça permet aussi d'identifier là où on est moins bon. L'idée, ce n'est pas non plus de tout apprendre. Il faut faire les choses sur lesquelles on est bon, mettre le paquet là-dessus et de continuer en parallèle, de monter en apprentissage sur les autres sujets qui semblent clés ou intéressants ou d'intérêt. Une autre question qui, là, est reliée plus du coup, à votre entreprise et à vos employés, c'est sur la répartition des niveaux de qualification au sein de MyBrain, donc licence, master, doctorat, etc. C'est quoi la question ? Quelle est la répartition des niveaux de qualification, licence, master, doctorat au sein de MyBrain, donc de vos employés, de vos équipes ? Combien il y a de master ou de licence ou, C'est ça. Est-ce que vous avez majoritairement des postes doc, des personnes qui sont encore en thèse, ou est-ce que vous avez aussi des personnes qui ont juste une licence en sciences cognitives ? Alors, nous, on a... Je vais faire une réponse qui est assez vaste, parce que d'abord ça dépend des besoins et du moment, mais dans l'équipe standard, je dirais, on a principalement côté recherche et R&D, on a principalement soit des ingénieurs juniors ou seniors, des chercheurs juniors ou seniors, donc des gens qui ont déjà fait un process de thèse ou qui ont des masters en ingénierie ou des diplômes d'école d'ingé. Après, des gens qui sont plus proches de l'académique ou qui sont encore dans un process d'études, là, on en a, mais c'est évidemment à travers des stages ou des projets où on a eu des gens qui sont venus chez nous en année de césure, qui ont fait 6 mois chez nous le temps de reprendre leurs études. Et là, j'ai eu des étudiants avec moi qui étaient en licence, j'ai eu des étudiants à tous les niveaux. Il y a pas de, en tout cas, chez nous, il n'y a pas de restrictions particulières.
Il y a juste une adéquation entre le moment où on a un besoin, quelqu'un qui a envie de faire quelque chose, et qu'est-ce qu'il peut apporter dans l'équipe, ou qu'est-ce que l'équipe peut lui apporter. Voilà, c'est plutôt ça. Donc, on a aujourd'hui, je dirais, majoritairement, comme tous les labos de recherche ou les boîtes, des stagiaires en Master 2, un peu de stagiaires en Master 1, et c'est arrivé qu'on ait des gens en licence qui viennent bosser chez nous aussi en stage. Et là, on a des gens en licence qui vont commencer chez nous en stage, mais en business aussi. C'est vraiment pour tous les... On a des alternants, on a beaucoup d'alternants aussi. On avait une telle cifre qui a fini il n'y a pas longtemps. Donc là, on a vraiment eu tous les cas possibles, jusqu'à des stages de cinquième, c'est le stage où les jeunes viennent 5 jours à un mois. Et parfois, qui sont des jeunes hyper efficaces qui... On en a un qui est venu, qui nous a fait une petite interface BCI en un mois qu'il était chez nous. Voilà, y a un peu de tout, mais il y a majoritairement des ingés, des chercheurs et des masters. Il y a eu des postdocs. Alors, une autre question, cette fois sur MeloMind. Ce serait pour savoir le succès qu'a désormais le produit MeloMind. Alors, MeloMind, aujourd'hui, c'est un produit qui a dépassé les 3000 users. Je ne sais plus à combien on est exactement, mais on a déjà une grosse communauté d'utilisateurs. On doit être autour de 3500, là, je pense, ça avance assez vite. La croissance, elle est assez forte, notamment parce qu'on a lancé le MeloMind sur le marché du retail chez Nature et Découverte cette année, et qu'on va le déployer encore plus largement maintenant. On a ouvert plusieurs pays d'Europe aussi pour le proposer dans d'autres pays. Et on a une grosse activité en digital sur notre site internet. Donc, ça représente aujourd'hui 40 à 45 000 sessions d'entraînement cérébral. Et c'est tout l'intérêt de pouvoir dire, quand on dit on fait du big data, on parle vraiment de grosses bases de données sur lesquelles on peut commencer à jouer avec des algos qui peuvent nous ouvrir des horizons qu'on n'avait pas imaginés avant. Et donc, il y a tout un axe de recherche hyper intéressant là-dessus, à la fois en data science et en sciences cognitives. Donc, on est plutôt content. On n'est jamais assez content du succès d'un produit. On a toujours envie d'en faire plus et d'aller plus vite. Il est aussi très dépendant de l'énergie commerciale qu'on y met. Donc, par rapport à l'énergie qu'on y a mis, pour nous, c'est un succès. On est très content. Si j'avais 100 millions d'euros, ce serait encore un autre succès. C'est très dépendant de plein de choses, mais ce n'est pas l'objectif qu'on s'est donné tout de suite. Donc, voilà, là notre objectif maintenant, c'est de pousser l'Innovation Lab, de pousser cet axe de partenariat, de conseil en neurosciences et de mise à disposition des briques de la plateforme de BrainWeb, notre plateforme de Brain Data. Ouais. Ok, super. Alors là, j'ai une question. Quelle stratégie de communication mettre en place pour valoriser les résultats scientifiques de l'efficacité d'un produit pour rassurer le client sans l'ennuyer, donc sans l'inonder d'informations qu'il ne va peut-être pas comprendre à la première lecture. Et une autre question, quelle est la ligne directrice du coup de communication et l'image de marque que vous souhaitez donner? Pour la première question, c'est un gros travail qu'on fait depuis 6 ans qui est de parler de ce qu'on fait avec des niveaux de vulgarisation qui sont... très graduel. Donc, ça va de la présentation dans les gros médias qui sont très friands de cerveau. Donc, ça va de parler chez Europe 1 ou sur BFM avec des petites synthèses de ce qu'on fait, mais en montrant toujours qu'on travaille avec des gens sérieux et avec un process scientifique. Et ça, quel que soit le niveau de granularité, c'est important qu'on le présente. Parce que pas mal d'autres gens le disent, mais ne le font pas. Et donc, ça m'amène à la deuxième partie de la question. C'est de présenter ce qu'on fait avec des articles, des papiers scientifiques très sérieux, qu'on monte d'ailleurs assez systématiquement sur Archive, en open science. Et d'après, de vulgariser à différents niveaux les différents projets de recherche. Certains de manière très concrète
à travers des blogs, à travers une stratégie de communication RP, donc des agences de presse pour faire des articles. Et voilà, il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses qu'on a prévu encore de faire. Et là, pareil, on s'encadre et on travaille avec des gens dont c'est le métier, qui travaillent sur la manière de présenter. Il y a des choses qu'on a fait qui n'ont pas du tout fonctionné et d'autres qui fonctionnent bien. Donc, on apprend aussi en faisant. Et la deuxième question, c'était quoi, pardon? C'était sur l'image de marque que vous voulez donner et la ligne directrice dans votre... Ça, vous y avez déjà répondu. La ligne directrice, ouais, la ligne directrice, c'est vraiment la partie scientifique. Voilà, on est des scientifiques à la base du projet et aujourd'hui encore. On bosse avec des scientifiques et ce qu'on propose a une certaine, un certain process, une certaine maturité et c'est une valeur importante, l'excellence scientifique de ce qu'on propose. Ça, c'est la ligne directrice et autour de ça, on déploie le reste de la communication sur ce qu'on fait. Parce que du coup, j'avais vu moi la vidéo BFM et c'est vrai que c'est quelque chose, enfin, BFM, c'est quand même une chaîne assez connue. Est-ce que c'est quelque chose qui vous aide à débloquer plus de fonds ou peut-être à monter cette marche supplémentaire au niveau de votre business? Je ne dirais pas que ça aide à débloquer des fonds. Par contre, ça donne de la visibilité. Dans des cas comme celle de BFM, le présentateur bosse bien et il arrive à passer les bons messages, donc c'est cool. Parfois, ça arrivait aussi que ce soit des gens qui ne soient pas très précis, donc c'est un peu moins cool. Mais ça fait partie du job. C'est aussi ça, d'accepter que dans la vulgarisation, tout ne va pas sortir exactement comme on veut. Donc, vulgariser, communiquer, c'est être capable de donner une information qui va être tronquée, mais qui passe quand même l'information du message essentiel de ce qu'on veut apporter de manière qui soit toujours juste, même exactement. Si elle est simplifiée. Exactement. Et du coup, la dernière question pour clôturer cet événement, dans quel cadre a été effectuée la recherche fondamentale à l'origine de MyBrain? Donc, entre parenthèses, il nous disait, la précision, c'était dans le cadre du doctorat du docteur Attal, d'un post-doc, d'une veille scientifique indépendante. C'était un projet indépendant, non, c'est ça? Alors nous, comme disait au tout début, on est parti de, on n'a pas pris d'activité, d'activité de recherche qui venait d'un labo avec un brevet ou des papiers ou des algos déjà dispo, par exemple, pour faire le Mellomind. Donc là, nous, on l'a fait en fonds propres. C'était de la recherche, pour le coup, financée par MyBrain. On a convaincu des investisseurs parce qu'on avait déjà fait toute une preuve de concept et des éléments qui donnaient confiance. Là, c'est pareil, ce serait tout un sujet de passer une heure pour comprendre comment est-ce qu'on doit donner confiance et les éléments à passer pour pouvoir amener à convaincre des investisseurs de rentrer sur un projet avec des objectifs clairs et surtout qui ne sont pas de la recherche. On ne convainc pas un investisseur de mettre de l'argent sur un projet de recherche. Un investisseur, il investit pour avoir un retour sur son investissement à moyen terme qui implique évidemment tout l'intérêt qu'il peut avoir pour les neurosciences et tout ce qu'on peut faire pour aider les gens à se sentir mieux et avoir moins de stress et d'anxiété. Ce n'est pas le moteur premier. Et donc, la recherche fondamentale qu'on a fait au début, elle a été faite chez nous, mais aussi en partenariat avec nos partenaires de l'Institut sur des aspects purement data et analyse cérébrale et des aspects purement sciences cognitives et réflexion, intelligence de conception des protocoles de neurofeedback. Donc, on n'a pas fait ça tout seul, on a fait ça avec plusieurs partenaires. Et c'est pour ça aussi qu'on a fait pas mal d'étapes. C'est de la deep tech, quoi. C'est vraiment des choses qui prennent du temps. Le chemin, il est dur et complexe. Et d'ailleurs, même quand on part de quelque chose qui existe, d'algo ou de recherche qui viennent d'un labo, comme je disais au début aussi, aller vers un produit, ça prend du temps, c'est compliqué, ça coûte cher et ça nécessite de refaire 4/5 du boulot, quoi, pour accéder au marché. D'accord, bah, je pense qu'on a fini avec les questions. Merci beaucoup pour cette conférence qui était très intéressante. Je pense qu'on a appris beaucoup de choses et pas que sur les startups, en plus sur de la neurotechnologie. Donc, ça a été super positif pour tout le monde. Je ne sais pas si Mathilde, tu veux ajouter quelque chose.
Non, tu as tout dit. Merci à tous ceux qui ont posé leurs questions et puis merci de ces interventions Avec plaisir. et d'avoir été avec nous ce soir. Vous avez été dans les détails et on a pu aller vers tous les sujets qui nous intéressaient. Et tout ceci dans les temps, donc c'est parfait. Voilà. Juste une Ben, précision, voilà, normalement, ce ceux que sera. ça intéresse, ceux qui veulent me contacter, n'hésitez pas à m'écrire sur LinkedIn. Je disais, n'hésitez pas à m'écrire sur LinkedIn pour ceux que ça intéresse et qui veulent avoir plus d'infos sur certains sujets. Normalement, le Oui. lien est posté dans le chat si jamais vous voulez regarder. Oui, en tout début de, pour ceux qui sont encore là, au tout début du chat, j'ai posté le site de My Brain Technologies et le compte LinkedIn. Voilà. Ravi Et d'avoir participé avec vous et bonne continuation à tous. merci beaucoup. Merci.